Bonjour, pour ce tout nouveau tuto, je vais vous apprendre à faire ce petit bracelet très simple au crochet en point roumain. Et pour la fermeture, j'ai fait un petit macramé. Voilà, vous allez voir, c'est très simple à faire, c'est très rapide et très joli. Donc pour ceci, vous avez besoin d'un briquet. J'utilise un crochet numéro 4 et ce fil. Voilà. Donc pour ceci, nous allons commencer en faisant deux mailles en l'air. Une, deux. Je pique dans la première maille, comme ceci. Je prends mon fil et je refais un jeté et je passe dans les deux mailles. Voilà. Là, je prends la maille comme ceci. Donc là, moi, j'en fais qu'une. Hein. Je prends la première maille, je refais un jeté, je passe dans la première fil, premier fil, et je repasse dans les deux prochains. Voilà, je tourne mon travail, je reprends les deux mailles que vous voyez sur le dessus. C'est un peu dur, j'ai un petit peu serré. Évitez de trop serrer. Voilà, je refais un jeté. Je passe dans les deux mailles que vous venez de prendre. Voilà. Et je fais un jeté et je reprends les deux mailles. Là, vous tournez votre travail et vous prenez les deux mailles du dessus. Vous faites un jeté. Vous passez votre crochet dans les deux mailles que vous avez récupérées. Et vous refaites un jeté. Pardon. Un jeté. J'ai un peu trop serré. C'est pas facile. Tournez votre travail, vous reprenez les deux mailles comme ceci. C'est très simple, hein. De toute façon c'est vraiment très répétitif. Vous remettez vos deux, vous passez le fil dans les deux mailles que vous venez de prendre, vous faites un jeté et vous reprenez pour passer dans les deux prochaines. Voilà, donc hop, comme ceci. Vous faites ça jusqu'à la fin de la longueur obtenue pour votre poignet. Voilà. Maintenant, il faut continuer jusqu'à la longueur obtenue. Enfin, voulu. Donc, j'ai fait une longueur comme ceci par rapport à mon poignet. Donc, pour finir le bracelet, je fais juste une maille en l'air. Voilà. Je coupe un petit peu de câble quand même pour pouvoir faire un nœud et le macramé pour fermer le bracelet. Je tire. Voilà. Donc, cela vous donne ceci. Pour faire le bracelet, moi je fais pour avoir une longueur à peu près pareille de chaque côté. Voilà. Donc là, je fais déjà un nœud. Voilà. Donc, pour éviter que cela s'effiloche, je le fais un petit peu fondre au bout. Voilà. Donc, je vais prendre une longueur quelconque pour faire le macramé. Voilà. Alors, et après, c'est super simple, hein. Bon, évidemment, c'est ce genre de fil qui glisse un peu, donc c'est un petit peu normal si vous lutter un petit peu comme moi par exemple. Et voilà, et donc là vous faites le macramé. Voilà, il suffit pas de grand macramé, enfin de faire une grande longueur, c'est histoire de juste vraiment de fermer le bracelet. Voilà, serrez bien fort, j'aime bien quand c'est bien serré quand même et pas trop pour pouvoir faire coulisser le bracelet. Voilà. Moi, je fais encore une fois et après, ce sera très très bien. Hop. Voilà.
Donc maintenant, je recoupe un petit peu de chaque côté. Voilà. Et les bouts que vous venez de couper, en fait, vous, pareil, vous les faites fondre un petit peu pour éviter que ça s'effiloche. Moi, ce que je fais ça et je le recolle à là, pour être sûr que ça s'en aille pas. Et je fais pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et maintenant, vous pouvez tirer dessus. Il n'y a pas de problème. Évidemment, je l'ai bien serré. Et voilà. Et voilà avec un joli bracelet au crochet. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Voilà. Qui est très facile et très facile à faire. Donc voilà. Pour offrir, pour mettre des bracelets montres ou n'importe. Ça passe très très bien. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt. Bonne journée.